Parmi les péchés du corps, il y a que quelqu'un participe à un banquet sans y avoir été invité, ou en ayant été invité en profitant de la gêne des autres, ou lorsqu'ils l'ont laissé entrer par gêne. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit ce qui signifie: il n'est pas permis à un musulman de prendre le bâton de son frère sans que ce soit de bon cœur de sa part. Ce hadith comporte une grave mise en garde contre l'utilisation du bien d'un musulman, que ce soit en petite ou en grande quantité, que ce soit de grande ou de faible valeur, sans que ce soit de bon cœur de la part de son propriétaire. Même le simple fait d'entrer dans la propriété d'un musulman sans son agrément, cela n'est pas permis en islam. Subhanallah, walhamdulillahi rabbil alameen.